Et salut les Cintés, bienvenue pour cette 117e Cosmo News. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine et un bon premier jour de Jamir, peut-être en ma compagnie, en notre compagnie, tous les soirs, bien sûr, pour le commentary. Comme d'habitude, tous les mardis, un tour de toute l'actualité de Saint Seiya Awakening, de la maintenance, des nouveautés, petite annonce de la version chinoise et le petit montage avec les photos des différentes mythes que plusieurs personnes m'ont envoyé avec le petit pseudo qui va bien. On est parti. On commence directement avec une bannière fourre-tout totale qui arrive en mode rerun. Il s'agit d'une bannière avec tous les SS et tous les EX. Autant vous dire que si vous cherchez un personnage particulier, un SS en particulier, un EX en particulier, ça va quand même être vachement chaud. En revanche, si vous êtes fraîchement arrivé sur le jeu, que vous ne possédez pas de SS ou de EX, ou alors peut-être un, eh bien, pourquoi pas, ça peut être une opportunité, une occasion d'aller chercher une Artemis, un Ophusus, un Alone, qui sait. En tout cas, je pense que c'est une bannière qui s'adresse vraiment, vraiment aux nouveaux joueurs. Pour les autres, skipper paquet. En théorie, et on va le voir, Perséphone devrait arriver au mois de février. Mais on est déjà le 15, elle n'est toujours pas annoncée dans le patch note. Il est fort envisageable qu'on se fasse GT arcadé et que eh bien, Perséphone arrive plus tard que prévu. En tout cas, dans l'annonce, pas de Perséphone en duel sacré. Vous allez me dire, c'est déjà arrivé que des personnages soient ajoutés au duel sacré sans être mentionnés dans le patch, et vous auriez raison. Là, pour le coup, je vous invite quand même à prendre votre mal en patience pour ce nouveau personnage SS. Des nouveaux skins, le premier ce sera avec un event recharge, c'est le skin de Shaka, je l'avais déjà présenté sur une ancienne Cosmo News, je vous le remets ici, bien sûr ça provient de la version chinoise, un skin pour le nouvel an chinois en gros, et des nouveaux RC. Le RC de Hypnose arrive, il était très attendu, on en a déjà pas mal parlé, on fera un retour bien sûr une fois qu'il sera disponible, qu'on l'aura monté et testé, ainsi que le RC de Katia qui vont être disponibles dès demain. Pour le RC de Hypno, c'est bien là, c'est clair et net, ce sera disponible dans l'event de Lune, hein, le bouquin, le livre de l'omnipotence. Et pour celui de Katia, eh bien, ce sera disponible de manière classique. Ok, c'était dans la boîte, mais on va corriger. Il semble qu'il n'y ait pas de skin pour Katia. Et d'après la communication, ce serait le RC de Katia qui serait offert en se connectant. Alors, ça me surprend autant que vous. J'espère que c'est bien le cas et que j'ai bien compris ce qui a été dit là en anglais. Wait and see. En même temps, en vrai, Katia, quoique avec son RC, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire avec, mais je pense pas que ça va être un perso qui va vraiment revenir dans la méta. On aura aussi une bénédiction du poisson. Et pour le coup, le nouveau skin de Katia, je ne l'ai pas précisé, devrait être disponible gratuitement pour tout le monde, simplement sur des récompenses de login quotidien, ce qui est plutôt une bonne chose. Petit FAQ des développeurs avec une nouvelle OZEF et une plutôt bonne nouvelle. La première, c'est quand est-ce que eh bien, Doko the Tiger va revenir, hein, la petite carte avatar, le petit tir qui était disponible il n'y a pas longtemps, eh bien, il sera de nouveau disponible pour l'anniversaire des 2 ans et demi. On en est très très content. La deuxième question, en revanche, elle est un peu plus intéressante puisque vous le savez, Shiryu Got Close est bugué depuis maintenant pas mal de temps. Il l'a été aussi hier pendant le Jamir. Il le sera ce soir aussi pendant le Jamir et il sera fixe si tout se passe bien, après la maintenance de demain, donc après la maintenance du 16. Heureusement, on le revoit beaucoup dans la méta, Shiryu Got Close, hein, on l'a vu pas mal avec Albafika et Shonades notamment, et bien là, il va pouvoir enfin bénéficier à nouveau de son RC. Le prochain personnage est connu. Donc la prochaine, ce sera évidemment Perséphone, qui a déjà été dévoilé, testé, etc. Et un nouveau personnage a été annoncé sur la version test, avec des indices qui ne laissent aucun doute, il s'agit de Tsukiyo de la coupe de Next Dimension, un chevalier d'argent très charismatique qui a un gros rôle dans Next Dimension et attention spoiler, qui terminera d'ailleurs par être un juge des enfers. Donc un personnage avec lequel ils peuvent faire pas mal de choses en termes de skill, etc. Un soigneur potentiellement, je vous mets quelques images d'illustration pour le coup. Tsukiyo de la coupe, les skills n'ont pas été annoncés, on sait juste que ce sera lui le prochain personnage. Et je pense que c'est pertinent parce que parmi
les innombrables personnages de Next Dimension, eh bien, Tsukio est vraiment un des personnages qui se démarque. Et du coup, je pense que c'est un des personnages attendus par les gens qui connaissent, qui ont lu ou qui aiment Next Dimension. La semaine passée dans la Cosmo News, je vous ai proposé de me partager vos dioramas ou vos collections de mid-close ou de figurines Senseiya. Eh bien, quelques personnes ont répondu présentes à l'appel et du coup, je vous laisse avec un petit montage comme ça en full screen. Je vais pas laisser ma tête comme ça à côté. Je vous laisse juger. Il n'y a pas de concours, c'est pour le plaisir des yeux, littéralement. Il va y avoir de la mid-close, il va y avoir du EX, il va y avoir du Tsume. Et le petit pseudo en dessous, il s'agit tout simplement du nom ou du pseudonyme de la personne qui me l'a partagé. J'ai volontairement enlevé les noms de famille pour ceux qui me l'avaient partagé sur Facebook. Par exemple, faites-vous plaisir. Et voilà pour cette petite Cosmo News, pas énormément de choses, hein. Clairement, bien sûr, au niveau d'event, des events purs et durs, ça va rester un petit peu comme le statu quo l'exige, hein, c'est-à-dire quasiment le néant, mais on espère que ça va repartir un petit peu, quoi. Donc, les nouvelles de SSA, c'était ça. Nous, on se retrouve ce soir, bien sûr, pour le Jamir, et on se retrouve aussi tous les autres soirs de la semaine. D'ici là, très bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à tout à l'heure. Ciao. Thank you.